Ah, c'est trop bien. Bonjour. Waouh, ils ont tout changé, ils ont mis les bougies tout là. C'était les fausses plantes en plastique. Ici, c'est trop stylé. Bon, on est là pour regarder les plantes, mais je vais quand même vous montrer. Ils ont des plateaux exceptionnels ici. Trop cher pour moi. Enfin, pas trop cher, mais trop cher dans le sens où, pour ce prix-là, moi, je m'achète une plante un peu rare. Regardez-moi ces merveilles. Oh, après, il y en a des tout petits, tout mignons, là. Ils sont à combien, ceux-là? 19,90. Vous voyez, ils sont 48,50€, là, le grand. Au moins, ils ont tout changé. Ça faisait un moment que je n'étais pas venue, alors. Pourtant, il me semble être venue il y a... Et même les porcelaines, les théières et tout, ils ont des trucs trop chouettes ici. Oh, le plateau de Bordeaux. Quinconce, Garonne, Place Tourny, jardin public et tout, trop bien. Pilar, Cachon. Ça, c'est stylé. Ouvert et tout, ils ont tout agrandi, ils ont tout refait, c'est trop beau. Eh oui. Oui. On va commencer par là-bas, il y a écrit plantes de collection. Oh, la couleur, mon Dieu. Ça, c'est trop beau comme couleur. Calathea White Fusion, Calathea Yellow Fusion. Le problème c'est que... Ouais. Décidément, je suis jamais attirée par ce genre de plantes. Est-ce que c'est des Syngonium Maria, des Maria géants là-bas? On le voit souvent en petit, celui-là, dans les baby plantes, très souvent même. C'est un syngonium mixte, c'est le Maria. Je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait quand c'était plus grand. Et en fait, bah voilà, ça ressemble exactement à quand c'est tout petit, en fait. Regardez-moi, magnifique. Trop joli. Des jolies petites chaînes de cœur, au moins elles sont déjà 13,50, ça va. C'est bon, bah. Celle-ci, elle est encore plus jolie. J'en ai plusieurs, j'aime trop les faire cascader sur une étagère. J'aime trop.
c'est un classique, mais moi j'aime trop les plantes classiques. Ils sont magnifiques, leur Syngonium morito, ils ont poussé de folie. Regardez-moi les lianes qu'ils font. Non, mais c'est une dinguerie. Vous en avez déjà vu des aussi beaux? Moi, jamais. Hein. Et ils sont à 29,90€. Pour accompagner ma liane de variegata que j'ai sur mon frigo. Toujours plus. Non, mais alors celui-là, il est magnifique pour le prix, regardez. Pareil, belle liane comme ça. C'est beau, hein, aussi quand ça pend. Et alors lui, il a deux ou trois pieds. Mais voilà, pareil, là, regardez. Ils n'étaient pas aussi gros et aussi beaux hein, quand on est venu la dernière fois. Je sais pas si j'avais fait une vidéo, d'ailleurs. Voilà, pour 30€, vous pouvez vous faire plaisir, là. Moi, je l'ai déjà. Je l'ai tuteré. J'aimerais trop en prendre un comme ça qui pend. Mais bon, au bout d'un moment, je vais pas prendre toutes les plantes en 10 fois. Alors là, il est magnifique, ce NJ. Regardez ça. Pareil, il a une grande liane. C'est ça que j'aime bien. 17,90€, franchement, ça va. Pour la taille, il est vraiment beau. Il fait des feuilles vraiment belles. Oui, mon petit loup. Oh, il y a beaucoup de jolies choses. Mon Brésil, il commence à pousser, mais je l'avais eu en tout petit, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, mon Enjoy, moi, mais Enjoy, j'en ai mis un en pont, parce qu'il allait mal. Le premier, le peu qui me reste du premier, ça va bien, parce que j'ai mis plus de perlites que de terreau. Le deuxième, comme ça, je l'ai mis en pont, parce que ça allait pas. Et là, je vais peut-être me racheter celui-là à 6,50€, parce que j'ai peu d'espoir pour l'autre. Donc celui-là, je me dis l'acheter pour le bouturer. Essayer de garder, vous voyez, cette belle petite branche là, qui est à peu près en bon état. La mettre en eau ou en pont. Voilà, à voir. Je pense que je vais le prendre. Ça a l'air d'être le dernier en plus. S'il n'y a pas de bestiole, je vais le prendre. Mon Brésil, il pousse, mais c'est un tout petit Brésil. Je vous le remontrerai. Et j'aimerais bien en trouver un déjà grand, j'avoue. Déjà grands, ils sont pas hyper grands ceux-là, mais ils font quand même deux fois, voire trois fois le mien, la taille de la feuille. C'est la première fois que mon fils me dit dans une jardinerie, prends tout ton temps. Je le prends. Ouais, je crois que c'est le dernier... Manjula. Oh, elle est magnifique. J'avais récupéré des boutures qui étaient tombées, vous vous souvenez? Putain, 21€, ça va. Hein. T'as vu la taille de la plante? Elles sont belles. Hein. Magnifique. Les bégonias, ils sont incroyables. Hein. Ça, pour Halloween, au milieu de la table, avec des petites citrouilles et des petits trucs d'Halloween, là, 8,90€. Il est magnifique. Hein, il fait vachement Halloween, celui-là, comme couleur. Automne et tout. Et alors celui-là, mais il est d'un argenté. Je suis pas bégonien, j'arrive pas à les garder chez moi, donc j'en achète pas, mais voilà. Attends, Nico, je... Ah, j'aime beaucoup parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a deux, je crois. 22€, il y en a trois, ça va. Oh, lui, je l'ai eu une fois, mais il était beaucoup trop clair. Et les feuilles avaient bruni, étaient toutes tombées, bah, un peu comme celle-ci. Mais genre toutes, elles étaient toutes brunes et tombées, mais elles étaient toutes beaucoup plus blanches que ça, donc ça n'avait pas aidé. Je me les ai pris en tout petit bébé, mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai revendu. Alors, les petits bébés roumiens. Attends, Evan. J'en avais un magnifique, je l'ai revendu. Ainsi que ma Monstera Danzoni classique, d'ailleurs. 13,50€.
parce que j'avais pas de place. Du coup, ça fait partie de ceux que j'ai vendus. Elles étaient tellement belles, les miennes, que la dame qui me les a achetées avant d'arriver à la maison, elle m'a dit, vous pouvez me confirmer que c'est des vrais? Elle pensait que c'était en plastique. Tu bouges, maman? J'arrive, mon amour, j'ai bientôt fini. Voilà, on va aller voir les bébés plantes. Je pense qu'on a tout vu. Elles sont dans le sac, chérie. Bon. Encore un en haut à 17,90. Un beau enjoy. Ah, il y a un beau Brésil là. Oui, mon cœur. Oui, oui. Oui, il est magnifique. 19,50, il est trop beau. Là, maintenant, tout de suite, j'aurais eu 20 euros, je l'aurais acheté. Mais vraiment, vraiment, je vous jure. Bon, allez, je craque, je le prends, il est magnifique. À chaque fois que je le vois, il est de plus en plus beau, mais là, il va trop bien aller à côté de mon philodendron lemon lime. Donc, craquage, sûr. Il y a celui-là, vous savez, c'est un peu comme le golden. Mais celui-là, il est beaucoup plus jaune. On le voit de plus en plus, celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, généralement, il ressemble plus à ça. Et il devient comme ça. Je me dépêche, j'ai mon fils qui pleure. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. On va arrêter là. Il y a des Global Green. Des néons. Enjoy. Et là-bas, il y a d'autres Syndapsus Manjula. Et je vais vous laisser sur ça, tant pis pour les bébés plantes. Bon, on va pas avoir le temps de tout faire. On va vite aller voir les bébés. Regardez-moi ces couleurs. Ça, vous mettez un de chaque dans une jardinière. Mais la composition, là, les petits coléus, magnifique. Ils sont tous trop beaux. Mais tous les ans, de toute façon, ils sont trop beaux, ceux-là. Dans les bébés, on a des mini chines de cœur silver et classique pour celle-ci, il me semble. C'est bizarre. Hop. Le Maria Allusion qu'il y avait en géant là-bas tout à l'heure, en petit. On en trouve souvent en petit sous cette forme-là de toute façon. Voilà, voilà. Faudrait que je prenne des coupelles. Mais j'ai pas le temps. On va y aller. Et je pense que je vous ai tout montré. Donc j'ai pris le grand Brésil. Je le trouve trop beau. Je vais bien le doucher, bien le nettoyer. Puis je vais mieux vous le montrer à la maison. Et puis j'ai pas pris du coup le Enjoy. Parce que 20 euros dans une plante aussi classique qu'un philodendron Brésil. Voilà. Du coup, je l'ai reposé. Mais ce n'est que partie remise. Celui-là, je le retrouverai, je le sais. En ce moment, il est partout. Donc à voir. Allez go. J'aime trop ce magasin, je vous jure. J'aime trop.